maman? La fête de la fin de l'hiver. Non, c'est pas maman. Spike, demain c'est le premier jour du printemps. Tous les poneys doivent participer au nettoyage de printemps. Et toi, tu vas nous aider. Un nettoyage de printemps? Quelle drôle d'idée. Pourquoi ils n'utilisent pas la magie pour changer les saisons comme on fait à Canterlot? Non, Spike, Ponyville a été créé par des poneys terrestres et ils n'ont jamais utilisé la magie pour le nettoyage de printemps. C'est dans leur tradition. Oh, moi je trouve ça ridicule. Pas de magie. Je récapitule. Écharpe, ok. Sel, ok. Bottes, ok. Spike qui refuse de se lever et se rendort, ok. Heureusement que je suis organisée. Je suis prête, fraîche et dispo. Oh, c'est peut-être un peu trop tôt. My little pony, my little pony. Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, mais pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. Tu es ma l'amitié et la magie qui nous unit. Ce sont les vestes que Rarity a cousues pour les équipes. Bleu pour l'équipe météo, verte pour l'équipe plante et brune pour l'équipe animaux. Je me demande à quelle équipe je suis affectée. Moi, je veux une veste bleue, la même couleur que ma couverture. Oh, d'ailleurs, j'entends qu'elle m'appelle. Spike! Spike! Reviens te coucher. Oh, il est beaucoup trop tôt. Merci à tous les poneys d'être venus à l'heure à notre rendez-vous. Nous avons besoin de vous tous pour nettoyer l'hiver et permettre au printemps de s'installer. Maintenant que vous avez tous enfilé votre veste et que les équipes sont constituées, essayons de faire mieux que l'an passé et nettoyons au plus vite les restes de l'hiver. Vous êtes prêts? Oui! C'est tellement excitant! Très bien, à présent, rejoignez votre chef d'équipe. Et partons tous au galop! Zut, je ne sais pas où aller. Je me demande où est ma place. Qu'est-ce que chaque poney fait au juste? Depuis 3 mois, nous vivons dans le froid de l'hiver. Nos petits sabots sont bien au chaud, on n'a rien d'autre à faire. Il fait bien trop froid pour travailler, dehors rien ne peut pousser. Et même si j'adore mes bottes, il la mode en est passée. Il faut qu'arrive le printemps, que s'éveille la nature. Maintenant, il faut bien s'activer, l'hiver est au pied du mur. Que puis-je faire pour vous aider? Voilà ce qui me tracasse. Je me sens perdue sans ma magie. Comment trouver ma place? L'hiver s'enfuit, l'hiver s'enfuit. Nos vacances finissent dans la joie. L'hiver s'enfuit, l'hiver s'enfuit. Bientôt le printemps sera là. Bientôt le printemps sera là. Rappelez les oiseaux du sud, où ils ont tous migré. Éclaircir les cieux très obscurs, ils doublent leur tranquillité. Le soleil nous réchauffe à la perfection.
Chaque poney appartient à une équipe. Et moi, au milieu de tout ça, qu'est-ce que je fais? Où dois-je aller? En avant, équipière! Vous avez l'autorisation de décoller! Rainbow Dash! Oh, salut Twilight, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? J'envoie mes équipières chercher les oiseaux qui avaient migré vers le sud pendant l'hiver. Oh, je peux vous aider? Et si je commençais par chasser les nuages? Ah oui, je n'ai pas d'aile. Désolée, Twilight. Bon, je fais quoi maintenant? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que moi, je vais faire la sieste. Ah non, Spike! Ce n'est pas le moment de dormir. Il faut faire disparaître l'hiver. Et je tiens à y participer. Reste à trouver comment. Rarity, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider. Eh bien, que dirais-tu de m'aider à confectionner des nids pour les oiseaux? Des nids? Oui, des nids. Une fois que l'équipe météo aura aidé les oiseaux migrateurs à revenir dans le nord, il faudra bien leur trouver un nid ou pondre leurs œufs. Waouh, Rarity, ces nids sont vraiment magnifiques. Oh, merci. Est-ce que tu voudrais, toi aussi, essayer d'en fabriquer un? Je peux? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, tu vas prendre quelques brins de paille et de foin, et aussi quelques branches. Maintenant, tu vas essayer de les tresser. Voilà, prends un ruban. Voilà, non, pas comme ça. Maintenant, accroche-le. Mais fais doucement. Oh non, non, je crois que ça va aller comme ça. Et voilà. Il ressemble parfaitement au tien. Oh non. Désolée, mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Oh, Spike! Non, ce n'est pas si mal. Peut-être que les oiseaux l'utiliseront comme... Comme toilette. Spike! Il est très bien. Il faudrait peut-être arrondir les angles. Allez, laisse-moi te montrer. Il faut juste défaire le ruban. Et si on retire aussi ses branches et qu'on retravaille la forme, voilà, comme ça. Ah, et je crois qu'on l'a perdu. Et maintenant, on tresse les branches bien serrées. Salut, Twilight! Wow, Pinkie Pie, tu patines drôlement bien. Je n'ai même jamais vu quelqu'un patiner aussi bien. Merci, Twilight! Je fais ça depuis que je suis un tout petit minuscule poney, tu sais! Du coup, c'est naturel! C'est pour cela qu'on nous a appelés les briseurs de glace! Je découpe des lignes dans la glace avec mes patins! Et lorsque l'équipe météo arrive pour briser la glace, je leur ai déjà mâché le travail! C'est très malin! Car lorsqu'il y a une épaisse couche de glace, elles ne fond pas facilement! C'est un gros travail qui t'attend, n'est-ce pas? Il y a de nombreux lacs à Poneyville! Oh, ça, tu l'as dit! Twilight, ça te dirait de m'aider? Je peux? Bien sûr! Allez, enfile des patins, je suis sûre que pour toi aussi ce sera naturel! Ok! Yeah! Finalement, tout bien réfléchi! Qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que tu voulais apporter ta contribution! Yippie! Oh, le lance-toi! Twilight! Tourne, tourne! Je t'assure que c'était très bien pour une première fois. Je suis sûre que moi aussi, la première fois que j'ai patiné, j'ai été extrêmement mauvaise. Vraiment? Non. Mais ça t'a aidé à te sentir mieux? Oui, je crois. Tu seras bien meilleure pour une activité où tu gardes tes sabots sur terre. Fluttershy aura sûrement besoin de toi pour l'aider avec les petits animaux. Je me débrouille bien avec les petits animaux. Je vais aller lui proposer mon aide. J'espère que vous avez fait de beaux rêves durant cette longue hibernation. Mais il est temps de se réveiller. Le printemps arrive. Oh, comme ils sont mignons! C'est vrai. C'est la tâche que je préfère de toute la saison. Le moment où je peux enfin retrouver tous mes petits amis. C'est quoi l'hibernation? C'est comme un très long sommeil. Un très long sommeil? Oui. Réveillez-vous, petit porc-épic. Les animaux hibernent durant l'hiver pour économiser leur force et absorber moins de nourriture. Ça me plaît bien, moi, ce concept d'hibernation.
Sauf la partie moins de nourriture. Oh, regardez tous ces terriers et ces tanières. J'ai bien peur de ne pas être en mesure de réveiller tous les animaux avant le printemps. Si tu veux, je peux t'aider, Fluttershy. C'est vrai, tu ferais ça? Oh, ce serait vraiment très gentil. Ok, je commence de ce côté. Eh oh! Réveillez-vous, petits amis! Où que vous soyez, le printemps arrive! Je me demande quels charmants petits animaux j'ai réveillés! Mes petits amis. Oh. Oh. Préparer l'arrivée du printemps est bien plus dur que je ne l'avais imaginé. Ben, forcément, puisqu'il n'y a pas de magie, pourquoi ne pas l'utiliser un petit peu pour faire les choses correctement? Non, Spike, je dois faire ça de manière traditionnelle. Ponyville n'a jamais eu besoin de magie pour préparer le printemps. Mais c'est parce qu'avant, les gens d'ici ne te connaissaient pas. Songe autant qu'ils gagneraient avec un peu de magie. Non, non et non. Je vais bien finir par trouver une façon de les aider avec des moyens normaux. Continue de pousser, Caramel. C'est bien, Bumpkin. Je sais que c'est dur, mais je trouve que vous vous débrouillez très bien. Hey, Applejack, comment ça se passe? Oh ben, ça roule. Ça a été un peu long au démarrage, mais maintenant ça va. Il y a beaucoup de champs à nettoyer. On ne pourra pas commencer à semer tant qu'on n'aura pas enlevé toute la couche de neige. Écoute, j'aimerais vous aider. Eh bien, je ne sais pas trop, Twilight. Donne-moi au moins une chance. Ben, c'est vrai que je n'ai jamais refusé l'aide d'une licorne. Imagine comment ça pourrait aller vite avec un brin de magie. Je pourrais utiliser le sort prendre vie. C'est parti. Elle est drôlement forte pour une si petite licorne. Et ben voilà, elle a suivi mon conseil. Je peux savoir ce que tout ça signifie? Ralentis, ralentis. Les choses ici, et en particulier dans ma ferme. Oui, mais je voulais juste... Allez, Twilight, sors de là. Je n'ai fait que des bêtises. Non, tu sais faire un tas de choses. Mais pas fabriquer un nid, ni patiner, ni réveiller des animaux, ni enlever la neige. Merci Spike, tu es très réconfortant. Grâce à toi, je me sens beaucoup mieux. Bah, c'est pour ça que je suis là, moi. Rainbow Dash, il faut que l'équipe météo fasse fondre la neige qui reste sur le sol ainsi que sur les arbres. Bien reçu. Impossible. Si vous faites fondre la neige, vous allez inonder les terriers de mes petits animaux. Compris. Rainbow, je t'ai dit qu'il fallait faire fondre la neige. Maintenant. Non, tu dois attendre encore un peu. Ok. Vas-y. Stop. Vas-y. Stop. Vas-y. Stop.
Vas-y! Bon, vous allez vous décider! Oh, que faites-vous tous ici à vous chamailler au lieu de travailler? C'est à cause de ça que le printemps était en retard l'an passé, et aussi toutes les années précédentes. Est-ce qu'elle a dit en retard? J'espérais que mon beau discours très inspiré vous inciterait à faire un peu mieux que l'an dernier. Mais nous risquons d'être encore plus en retard que les autres années. Mais enfin, regardez-moi ce désastre. Les morceaux de glace sont bien trop gros pour pouvoir fondre rapidement. La confectionneuse de Nîmes est tellement perfectionniste qu'elle n'a pour l'instant eu le temps d'en faire qu'un seul. Sans parler du nuage qui encombre toujours le ciel ou des cristaux de neige sur les arbres. Ce n'est pas bon du tout, pas bon du tout. Et je ne parle pas de ce qui se passerait si on n'arrivait pas à commencer la plantation à temps. Du calme, Applejack, je t'assure qu'on va tous faire aussi vite que possible. Non, pas trop vite. Il faut réveiller les animaux en douceur. Applejack? Oh, nom d'une pomme. Je parie que Caramel a encore perdu les graines. Ouais. Ditsido s'est trompée. Elle est allée vers le nord pour chercher les oiseaux migrateurs. Oh, quelle cervelle de plume. Elle n'a donc jamais appris à se servir de sa boussole. Ah bah oui, c'est quoi faire pour faire pousser les pommes. Ça suffit, taisez-vous. On n'a plus le temps de se disputer. C'est bientôt le coucher du soleil. Une fois de plus, le printemps sera en retard. Quelle honte va à nouveau peser sur Ponyville. Si seulement nous étions plus organisés. Mike, va me chercher mon bloc-notes et de quoi écrire. Tout de suite. Oh, à vous en. Ça suffit, tout le monde. Désolée. Je sais que vous voulez tous finir votre travail à temps. Mais ce n'est pas en vous disputant que vous allez faire avancer les choses. Il vous faut de l'organisation. Et je suis justement le poney idéal pour ce travail. Une fière chandelle. Sans ton organisation, nous serions encore en train de nous disputer. Ouais. C'est un effort d'équipe. Et puisque tu as aidé toutes les équipes, nous avons fait une veste spéciale pour toi. Nous te donnerons le titre d'organisatrice en chef des équipes. Waouh, je suis vraiment très touchée. Merci beaucoup à vous tous. Je déclare officiellement que l'hiver est parti pour de bon. Yeah! Spike va avoir une drôle de surprise quand ce dernier petit morceau de glace va fondre. Chère princesse Célestia,
Nettoyer les restes de l'hiver fut une des expériences les plus incroyables que j'ai vécues à Ponyville. Ça m'a permis d'apprendre que nous avions tous un talent. Et avec un peu de patience et de volonté, on finit toujours par le trouver. Et comme toujours, c'est grâce à l'amitié et au travail d'équipe que les poneys peuvent réussir l'impossible. Pas vrai, Spike? Spike? Oh, Spike!